Beaucoup ont parlé comme si n'ont rien fait. C'est mon compte, c'est ma part, c'est ma connexion. Attendez-moi au Cameroun, je viendrai. Vous n'allez rien me faire. Vous avez vendu la merci. Oui. Vendu, envoyé devant que pas travailler le Ndjongmasi. Vous n'avez pas pitié de ses enfants. Même pas la pitié pour ses enfants. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mes amours, pourquoi on ne signale pas le live? Vous n'avez pas pitié de ses enfants. Même pas une pitié. J'ai dit qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Oui. Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Vous n'avez pas pitié de ces pauvres enfants qui sont là. Même pas une pitié. Quand on va parler ici, vous allez voir les vieilles mamans là qui vont venir. Dites que, oh, Tobichou, ta bouche partout, partout. Vous avez vendu la merci, Hora. Mouf, j'ai peur de vous. Vous avez vendu la merci. Parce qu'au Cameroun, quand quelqu'un commence à briller, il faut seulement que nous on l'envoie devant. Vous avez fait la même chose avec Cameroun, j'avais parlé ici. Vous m'avez lavé ici. Ça fait que même la famille a dit que oui, c'est vous, on avait vendu le gars. Hein? Vous avez vendu. Acceptez. Vous avez vendu. Moi, je vous ai dit, il y a les familles dehors, on ne le vend pas. Un producteur ou un réalisateur va tenter d'aller vendre quelqu'un. C'est lui-même qui va partir. Il y a les familles qu'on ne vend pas les gens. Hein. Il y a des familles où on ne vend pas les gens. Je vous dis d'abord ça. Vous là qui vendez les gens là dans le. Hey, maman. Vous là qui vendez les gens là. Les producteurs d'Amérique là. Qui partent. Vous vendez. Elle dit que c'est comme ça d'abord qu'ils se vendent entre eux dans les rayons de savon et d'huile d'arachide. Vous amenez encore vos frères et soeurs, maman. Hush. On peut faire ça, Adama. Vous envoyez vos soeurs dans le femme là. Vos frères dans le femme là. Vous n'avez pas honte, maman. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, maman. En retard, vos familles sont là, ils dorment bien. Ils mangent bien. Vous envoyez les enfants, les gens aller travailler le femme là. Oui, parce que Marie tombe, c'est là, sa mort, ce n'est pas une mort qui est simple. On a fait passer aux gens que c'est le cerveau qui a fait, que ce n'est jamais le cerveau. Vous avez envoyé la messe devant. Oui. Et regardez très bien, quand les gros contrats commençaient à venir, on les pagnait. Parce qu'on savait que non, si elle prenait encore le nom, Marie Tom n'a pas aussi réfléchi. Maman, moi, quand je partais me laver, tu n'as pas réfléchi, maman. Il y a les pygmées, tu peux te laver chez les pygmées. Vous comprenez, maman, vraiment. Hein? Quand vous commencez à voir Nathalie, quoi, les Coco Emilia, les Muriel Blanche, vous croyez qu'elle passe à se laver pour rien? On a vu Nathalie, quoi, au Congo là-bas. Elle a dit qu'elle salue les reines, c'est les reines des eaux. Vous croyez que c'est pour rien? Elle passe laver parce qu'elle connaît que non. Ça peut, on peut aussi l'envoyer devant. Oui, on peut l'envoyer devant. Vous croyez que c'est facile? Qui n'a pas peur? Même tout le monde a peur, tout le monde aime sa vie. Quand vous voyez les gosses aller se laver, elle sait pour rien. Elle peut se laver parce qu'elle connaît que on peut aussi les prendre pour les envoyer là devant. Tout le monde se lave. Maman, tout le monde prie Dieu, tout le monde croit en Dieu. N'attendez, ne restez pas chez vous. Vous dites que j'ai prié le Seigneur, j'attends le miracle. C'est souvent la prière que tout le monde a prié, tout le monde monte au paradis. Même dans la Bible, on a dit, aide-toi, le Seigneur t'aidera. Même dans la Bible, c'est écrit, aide-toi, le Seigneur t'aidera. Tapotez le live, s'il vous plaît. Le live est signalé, s'il vous plaît. Tapotez. Moi, je vous ai dit mon combat. Quand, que c'est quand vous allez mettre le corps là par terre que vous allez foire. La famille de Mamiton aussi, vous dormez sur la carte. Je vous ai dit, tant que le corps là est à la morgue là-bas, moi, je ne laisse pas la faire ici. Parce que je sais de quoi je parle. Je sais ce que mes yeux ont vu. Je sais ce que mes yeux voient. Je vois ce que beaucoup de personnes ne peuvent pas voir. Oui. Et vous avez dit, ils attendent quand on va mettre le. Parce que tant qu'elle est à la morgue, on ne peut pas venir la prendre. Parce que le corps est encore glacé. Le corps a encore la glace. Elle est dans la glace. On ne peut pas venir prendre un coquet glacé. On ne peut pas venir prendre un coquet glacé. On ne peut pas venir prendre un coquet glacé. Jamais. Il faut que le corps, on retire le corps. Là, on fasse la veillée. Le corps sera bien dégivré. Maintenant, on ne peut pas mettre dans la tombe. Le corps est là. Il n'y a plus de glace à l'intérieur. Le corps est revenu à normal. Maintenant, quand on va mettre le cercle, il faut que le cercle là touche le sol. C'est-à-dire le dos doit toucher le sol. Pour que maintenant, on vient l'en prendre. Ton esprit va travailler. Voilà Cabrin Andy. Si la famille de Cabrin avait fait des rituels, ce que le corps de Cabrin n'est pas en train de travailler au Gabon. Ils ont envoyé Cabrin Andy au Gabon travailler. Oui. Ils ont envoyé Cabrin Andy au Gabon. Il y a un village, c'est un village perdu au Gabon. Vous croyez que c'est la blague, vous venez ici là. Mais quand on vous dit, c'est vous qui prenez tout, vous prenez tout pour les blagues. Voilà Cabrin qu'ils ont envoyé au Gabon. Hein? Voilà Cabrin qu'ils ont envoyé au Gabon. Cabrin est en train de travailler le Ndjongmasi. Vous avez pleuré le deuil que non, Cabrin est mort. Cabrin n'est pas mort. Hein. C'est vous qui avez pleuré le deuil ici. Tapotez le live s'il vous plaît. C'est vous qui avez pleuré le deuil ici. Moi, mes yeux n'ont pas pleuré parce que je connais ce que je vois. Ils envoient les gens au Gabon aller travailler. C'est le Gabon. Tu vois le Gabon, le petit village là-bas perdu là-bas. Ils vont envoyer Mamie Tom aller vendre la nourriture là-bas. Et quand tu fais le femme là, tu ne dors pas. Hein. Tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Je vous dis encore, tu ne dors pas. On te fouette, tu travailles, tu n'as pas à dire. Regarde le Ndjongmasi. Quand tu vas travailler le femme là, tu ne dors pas. Je dis, tu ne dors pas. Quand vous partez souvent vendre les gens, pensez souvent un peu aux enfants qu'ils ont laissés derrière. Pensez un peu à leur famille. Vous asseyez, vous dites que, oh, tu es sûr. Je vous dis encore une vérité. Quand on vous vend, on tourne le cœur. C'est pour dire quoi? La partie ici, regarde derrière. Et la partie de derrière, regarde devant. Donc, on tourne seulement ton cœur. C'est comme ça qu'on vend les gens. Vous croyez que c'est la blague, hein? C'est quand ça va vous prendre ici, vous allez confirmer. Et les familles, on ne vend pas. Hein? Et je vais vous dire aussi, je continue encore à vous dire, ce n'est pas tout le monde qu'on vend. On ne vend pas les personnes qui sont bien élevées, bien éduquées. On ne vend pas les personnes qui sont têtues. On vend les gens calmes là, respectueux, qui fonctionnent toujours riches. Tu vas venir vendre une personne comme moi comme ça là, quand vrai. Quand vous me voyez debout là, tu viens vendre une personne comme moi, c'est comme ça là. Moi là, je n'aime pas la voir comme force pour travailler.
Tu vas me forcer pour le travail. Je pars quelque part. Je pars que je pars. À quand je te bloque. Andy est en train de signer. Signaler. T'as côté le live, mes amis. Écrivez good live. Je vais bloquer. Quand je vais prendre deux modérateurs ici. J'ai fait l'Est. Moi, j'ai été assis avec. Tu peux dire comment? Même quand je prenais l'aventure pour arriver en Europe, j'ai été chez les Pygmées. Ce que j'ai compris. Beaucoup de gens ici ne vont jamais comprendre ça. Mais si je peux dire à mes frères et sœurs qui sont là aujourd'hui, certaines vérités, je vais les dire. Parce que dans la vie, hein, prévenir vaut mieux que guérir. T'as côté en même temps, merci, good life. Prévenir vaut mieux que guérir, maman. Prévenir vaut mieux que guérir. Dans la vie, si, comme vous voyez ici, mes gens, ce n'est pas la blague. La vie, si, est très, très compliquée. La vie, si, est très compliquée. Je vous ai dit ici, là, je continue encore à vous dire. Les gens qui vous vendent sont les gens qu'on appelle les bas sans pitié, les bas SS sans sentiment. Quand vous priez la nuit, demandez toujours à Dieu que vous qui avez les enfants, vous les parents qui avez les enfants, là, demandez à Dieu de vous garder afin que vous puissiez garder vos enfants. Parce que quand Dieu vous prend tôt comme ça, là, vos enfants sont encore petits, vos enfants n'ont pas encore d'avenir. C'est le parent qui crasse le chemin de son enfant. La prière de tous les parents, c'est que Seigneur, garde-moi longtemps pour qu'il puisse garder mes enfants. Quand vous partez, vous êtes toute la maman, parce que le père s'enfuit même du père. La mère, quand ta mère part déjà, là, quand ta mère meurt, ta vie est finie. C'est une partie de ta vie comme ça qui tombe. Parce que c'est ta mère qui fait ta force. Aucune maman ne va jamais, une maman de son vivant, son enfant rate sa vie que sa mère est vivante. Ce n'est pas une maman. Une maman, le combat d'une, même quand une maman vient en Europe, il faut voir comment on appelle là, les familles, il y a des familles comme ça là. Vous voyez, la maman pas beau, elle abandonne dans vos pays. Vous croyez qu'elle abandonne les enfants peut-être parce qu'elle veut trop abandonner les enfants. Non, elle n'est pas beau ça parce qu'elle demande à Dieu que non, là où elle parle, qu'elle arrive, afin que ses enfants puissent avoir une bonne vie. Le sacrifice d'un parent, c'est que son enfant résiste. Surtout la maman, il dit bien quoi, surtout la maman. Voilà, parce je vais vous dire que avant que mamie tombe de malade, moi et mamie, on a beaucoup causé. Donc elle me disait, voici son numéro ici, voici le message qu'elle m'a fait. Lorsqu'elle m'a envoyé ce message, moi je l'ai appelé, on l'a pas dit. Elle m'a dit quand même qu'elle voulait que son fils voyage. Elle m'a dit, Bazor, vraiment, il y a un enfant qui est ici. Il a tout fait. Il a fait un peu d'études, mais ça ne donne pas. Elle m'a dit, ça ne donne pas, tu connais le pays, ça ne donne pas. Le gars, mon fils est là, je veux qu'il voyage. Quand mamie tombe me parlait, j'ai senti du changement dans sa voix. J'ai senti une maman qui était dérangée. Mamie tombe n'avait seulement pas les moyens, sinon elle l'aurait fait. Elle me sollicitait pour que si je pouvais l'apporter mon aide. Je lui ai dit, mamie tombe, ça demande beaucoup d'argent. Le voyage, c'est l'argent. Si tu n'as pas l'argent, c'est dur de voyager. Elle m'a dit que vraiment, il a compris. Mais je vais te revenir. Hein. J'ai dit oui. Et quelques temps après, j'ai appris que mamie tombe était malade. Ça m'a beaucoup dérangé. Je ne vais pas parler de plus parce que je n'ai pas trouvé ça utile. Parce que moi, je voulais qu'elle se remette. Et vu qu'Aïcha Kamaz avait fait une cagnotte, je savais que si elle se remet avec la cagnotte là, elle allait faire son fils voyager. Donc voici ce que mamie Tom m'a dit et que je vous dis. Ne mettez pas tout cet argent dans son deuil. Son souhait, c'est que son fils s'en sorte. Donc, si on peut faire voyager son fils, que son fils aille se chercher aussi, afin qu'il puisse aider aussi ses frères, ou alors, je ne sais pas, combien ils sont à mamie Tom. Mais elle m'a manifesté l'intérêt qu'elle voulait que son fils voyage. Donc, faisons tout avec l'argent qui va se passer lors de cette organisation-ci. Pas besoin de faire un deuil comme si c'était le prince de l'Angleterre qui est mort. Non. Mamie Tom, on n'a pas besoin de ça. Son véritable souci, ce que j'ai entendu dans sa voix lorsqu'on parlait, elle voulait que son fils s'en sorte. Elle voulait que son fils voyage. Donc, mettons cet argent-là au fait, afin que son fils voyage. J'espère que son fils va comprendre et il va écouter le message que je suis en train de passer. Hey, mon frère, j'ai failli oublier. N'oublie pas de réserver ta place pour le grand séminaire qui se tiendra dans l'un des meilleurs centres de formation actuellement à Yaoundé. High Tech Training Institute. Séminaire 100% pratique et gratuit allant du 14 septembre au 16 novembre 2024. Notez bien, il dit encore sous réservation. High Tech Training Institute est situé au 3e étage Fundi Mall, Yaoundé, au lieu-dit Kameko. Comme j'ai dit et je répète encore, ce séminaire est 100% gratuit et c'est en prélude de la rentrée scolaire au sein de cet établissement. Donc, ça ne concerne pas seulement les apprenants de cet établissement. Même si tu es apprenant en informatique ailleurs, tu peux participer. Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité. High Tech Training Institute. Vous êtes administrateur réseau, ingénieur réseau, technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique, HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle. Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de 6 mois seulement à des prix très abordables. Et tout ceci dans un cadre bien outillé, grâce aux formateurs chevronnés et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique. High Tech Training Institute est situé à Yaoundé au Fundi Mall, téléphone 695 87 35 42. Email info@htti.net, site web www.htti.net. High Tech Training Institute. Knowledge is power.